Alors, bienvenue à ce troisième épisode de notre Let's Play sur Game Dev Tycoon. On est avec la compagnie FN Nation et je peux dire qu'après 6 jeux, on roule sur l'or en ce moment, même si on est encore dans notre garage. J'ai décidé de rester dans le garage parce que je pense qu'on n'avait pas nécessairement assez d'argent pour changer de place. On a un nouvel engin qui nous a donné un très bon jeu de ping-pong la dernière fois. Et on va immédiatement créer un nouveau jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait? J'aimerais ça faire un jeu pour... On a eu la Gameling qui est arrivée lors de notre dernier Let's Play. Donc, je pense qu'on va développer un jeu pour la Gameling. On va le mettre pour les enfants. Et j'aimerais faire un RPG sur Gameling. Je pense que ça va être très bon. Et puis, on n'a pas encore fait un jeu fantasy. Je pense que ça a beaucoup de bon sens ce qu'on est en train de faire. Maintenant, le titre de notre jeu. Un RPG. Donc, Fantasy RPG. Voilà, j'ai c'est ça. Disons, Dragon 2. Dragon de feu. Voilà. Pire nom de jeu de tous les temps. Alors, Dragon de feu, on va voir ce que ça va nous donner. La Gameling est en ce moment la console dominante sur le marché. Donc, on y va. Et évidemment, version 2. Let's go. Alors, Dragon de feu. Je peux. Ok, donc RPG, RPG. Donc on va améliorer l'histoire. L'histoire, super importante. Gameplay, peut-être un peu moins. L'engin, un peu moins. Alors, comme ça. Donc évidemment, il faut faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Et au niveau design, ça part bien. Les dialogues sont importants. Niveau design, je vais laisser ça comme ça. Baisser l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Allons-y. Oh, ça va bien. Au niveau design, ça va bien. Oh. Alors, Vena annonce l'arrivée de la Vena Gear pour compétitionner avec la Gameling. Apparemment que la Vena Gear, c'est tout le pouvoir de la Master V, sauf que tu peux l'amener avec toi, évidemment. Est-ce que ça va surpasser la Gameling? Nous verrons avec le temps. Je peux déjà vous dire que ça le fera pas. Donc, maintenant, pour ça, je vais baisser le son, garder graphique et peut-être mettre les deux environ au milieu comme ça. Je pense que pour le reste, les options sont toutes très bonnes. Ça va être un jeu, un beau jeu. Un beau jeu. C'est important de faire des beaux jeux. Donc, je pense que niveau design, on a battu notre record, mais clairement pas niveau technologie. Je sais pas si on va avoir des bonnes critiques pour Dragon de feu. Et je sors le jeu. Alors, notre graphique a augmenté de niveau. Oh, level editor. Est-ce que je veux changer de place? Non, pas encore. Je veux voir ce que ça va donner. Alors, la Vena Gear est sortie. Donc, alors, là, j'ai un très mauvais pressentiment. Je sens que ça va être complètement à chier, ce jeu-là. Oh, c'est bon! Mon Dieu, je parlais beaucoup trop vite. Donne-moi 10. Ah ouais, non. Oh, c'est notre meilleur jeu. C'est notre meilleur jeu. Oh, surprise. Surprise. Ben anyway, si on fait un gros succès comme ça, on va changer de local. Oh, numéro 1. Woo! Take that, bitches! Numéro 1. Woo! Ok. Bon ben là. Alors, Dragon le Feu, le nouveau jeu de FN Nation, a créé une tempête de bonnes critiques et a excité les clients, les acheteurs. Les professionnels de l'industrie disent que Dragon de Feu est un de ces rares jeux qui a augmenté la qualité des standards des futurs jeux. Oh là là, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup. Merci, j'aimerais remercier ma mère, mon père,
Mon oncle. Alors là, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça n'a pas l'air de se calmer. Donc on va tout de suite faire des recherches. Tiens, je pense que marketing, ça va être important. Mais bon, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Level editor, gamepad. Mais peut-être attendre un peu pour marketing. Une manette, c'est important pour jouer un jeu. On va faire ça. Ok, 6,8 millions après 7 jeux. Honnêtement. Donc là, le G64 va sortir du marché dans 2 mois. Mais 6,3 millions après 7 jeux. Bon, j'ai pas joué tant que ça au jeu, mais j'ai jamais fait des résultats aussi bons. Donc, ben ça regarde bien. Ça regarde bien. Alors, on va pouvoir utiliser une manette. On va tout de suite aussi aller chercher un nouveau genre. Musique. Tiens, musique. On va pouvoir faire un accordéon Hero ou harmonica band, des choses comme ça. Et on va faire un nouveau jeu. Alors, le Commodore 64 a fait faillite. Et elle va se retirer du marché ce mois-ci. On va tout de suite faire un nouveau jeu et immédiatement après, on va changer de locaux. On va aller dans un plus grand locaux et on va avoir des employés. Donc, moi, j'irai pour un jeu d'action. Un jeu d'action de science-fiction, tiens. Action. On peut le faire pour le TES ou le Master V, je sais pas vraiment. On a de l'argent, alors pourquoi. Bah, anyway, ils ont à peu près la même part du marché, là. Ça va être pour les plus jeunes. Et puis, je vais appeler ce jeu le son des lasers dans les films d'action de science-fiction. Piu-piu. Le jeu. Alors, vas-y. Et là, après un gros succès comme ça, faudrait pas s'étonner que ce jeu-là fonctionne beaucoup moins bien. Donc, je vais augmenter l'engin. Engin au max. Gameplay, je vais le laisser à la même place et je vais baisser histoire à peu près à ce niveau-là. Ça va faire de quoi d'assez équilibré, je pense. Oh, là, niveau technologie, on est pas mal bon. Donc, on a de fait 2 jeux de G64. Et on a quand même fait un peu d'argent avec ces jeux-là, même si ça n'a pas été de grands succès. Là, ça a l'air d'un jeu très équilibré. Je vais monter le level design au bout, baisser dialogue et intelligence artificielle à peu près au même niveau ici. Oh oui. Oh, arrête de te gratter la tête. Créer un jeu, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Allez. Alors, graphique, top. Sound, à peu près ici. Ça à peu près ici, ça me semble correct. Là, je sais pas si on va faire plus que l'autre, par exemple. Là, ça a pas l'air de. Oh, ben on a fait. Je pense qu'on a battu un nouveau record de technologie, mais clairement pas niveau design. Je pense qu'on était rendu à quoi, à 17-18 au dernier jeu. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais de toute façon, qu'importe le résultat, on change de locaux après ce jeu. On a passé quand même un petit peu de temps ici et allons-y. Non, on n'a battu aucun record. Je pense qu'on va pas faire un super bon score avec ce jeu-là. Donc, oui, meilleure intelligence artificielle, mais des cutscenes. Donc, c'est bon, ça. Alors, est-ce qu'on change de place? On change de place. Donc, vous allez voir, on a un tout nouveau bureau. Magnifique, magnifique. Et, on peut maintenant engager les gens. Alors, piou piou. Oh, non, non. Piou piou. Oh, mais quand même, c'est pas si pire. 7, c'est bon. 7, c'est. Oh, merde. C'est pas équilibré, ce review-là. Bon, c'est ça. Donne-moi 6, là. Ok, donc ça, c'est le pire jeu qu'on a fait jusqu'à présent. C'était celui-là. C'est un peu dommage, mais c'était dur de faire mieux que le jeu qu'on avait fait avant. Alors, Piu Piu le jeu, quand même 47e, c'est pas vilain. Hein? Et
c'est un jeu, je pense, qui va être profitable en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'engager quelqu'un. Pour engager, il faut avoir. Attendez un peu. Staff management, c'est ce que ça nous prend pour engager quelqu'un. Donc, et là, la personne va nous aider à créer des jeux et nos jeux vont faire plus de design et plus de technologie à partir de là. Ok, voilà qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense qu'on va chercher. On peut aller vers quelqu'un qui est très bon en technologie, quelqu'un qui est très bon en design. Je pense que pour notre premier employé, on devrait avoir quelqu'un qui est équilibré dans les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est donner un budget d'environ 500 000 $. 500 000 $ pour ça. Et je vais ici, parce que si on va dans algorithme, on va avoir quelqu'un très bon en technologie. Si on va dans showreel, on va être quelqu'un très bon en design. Avec game demo, on a un peu le juste milieu entre les deux. C'est ce que je veux. Donc, il cherche. Pendant ce temps-là, nous, on peut chercher pour le marketing. Non, Piu Piu, le jeu n'a pas été profitable vraiment. Donc, voilà ce qu'on a. 77 en design, 122 en technologie, 136, 63. C'est pas très équilibré. 217, oh là là, lui, il est pas mal bon. Écoutez, je sais pas vraiment, là, parce que lui est évidemment plus intéressant, mais il va coûter plus cher. Lui, il ne coûte pratiquement rien. Lui non plus. Oh là là, c'est un drôle de. Je pense que. On va prendre le plus rapide. Je vais prendre le plus rapide qui est lui. Donc. Je vais prendre le plus rapide. Il a également plus de points de recherche, je pense, que les deux. Donc. C'est lui que je vais prendre. Je vais prendre Antonio Brock. Antonio Brock. Alors. Impossible. Un gars peut pas s'appeler Antonio Brock et être. Afro-américain, j'y crois pas. Mais quand on engage quelqu'un, on doit lui donner un entraînement de bienvenue. Alors c'est ce qu'on va faire immédiatement. Et puis, on va après ça faire un autre jeu. Et puis après le prochain jeu, je pense qu'il va falloir qu'on s'entraîne un peu. Donc ce sera notre prochaine étape. Donc un nouveau jeu. On a fait un jeu d'action. On vient de faire. Oups, excusez. On a fait un jeu d'action. On a fait un RPG. On peut retourner vers un jeu de simulation. Est-ce que j'ai des bons sujets pour la simulation, par exemple? J'ai pas encore fait un jeu de course. Ça, je pense que ça peut être un bon sujet pour un jeu de simulation. Sinon, peut-être un jeu d'espace. J'ai déjà fait un jeu de sport en simulation. Je pense que je vais faire un jeu de course. Sur PC avec mon engin, je pense que pour tout le monde. Alors, tiens, Jacques Villeneuve, pour rester dans le québécois, Ré hop. Je peux pas faire. Je veux dire, est-ce que j'ai le culot de sortir un jeu qui va s'appeler uniquement Jacques Villeneuve? Oui, je l'ai. J'ai ce culot. Donc voilà, on va aller en graphique version 2 évidemment, et on va créer notre jeu. Donc pour le jeu de simulation, je vais baisser l'histoire au minimum. Je vais pas mettre l'histoire linéaire, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mettre le gameplay au bout, l'engin un peu moins haut, voilà. Tout cas, Antonio ne m'aide pas beaucoup jusqu'à présent. Donc dialogue minimum requis. Intelligence artificielle au max et je vais baisser un petit peu le level design. Allons-y comme ça. Alors, la Vena a annoncé la sortie de sa nouvelle console dans 2 mois, la Vena Oasis, qui est en 16-bit graphics. Alors, la Oasis est un nouveau départ. Et ce sera le génésis de cette nouvelle génération. Et cette console apparemment s'intéresse plus aux joueurs matures. Hâte de voir ça.
Mais je pense que ce jeu-là devrait être pas si pire. Je parle de Jacques Villeneuve Racing, là. Je mets le son au bout. Graphique, peut-être un peu moins. World Design, le plus bas. Ok, ok, c'est bon. J'haïs pas ça. Je pense que ça va être un jeu très équilibré. Puis à cause de ça, je pense qu'on va avoir quand même une bonne note. Moi, je m'attends à des 7. À des 7 et des 8. Mais hein, on sait jamais. On sait jamais avec ce jeu-là. Parfois, on a l'impression que c'est vraiment aléatoire. Donc, je sors le jeu. On a battu un nouveau record en technologie. Et Antonio Brock a maintenant est en train de monter, lui également, qui est un employé. Donc, oh là là, on peut améliorer plein de choses. Moteur graphique 2D, moteur graphique 3D. Plein de bonnes choses. Alors, les reviews, oh là là. Bien hâte de voir ce que ça va donner. Oh, 6, c'est un peu décevant. Ah, 5. Oh non, 6. Ah, ça va pas bien en ce moment. On est en train d'être dans la pire phase de notre entreprise. Pourtant, je pensais qu'on allait avoir quelque chose de bon. C'est un peu dommage. Mais quand même, on est 31e. Ça va nous donner un peu d'argent. Ce que je vais faire, je vais entraîner mon ami ici. Je pense qu'il a besoin d'être meilleur en design. Alors, habituellement, je pense que c'est celui-là, Game Dev Gems, pour le design, pour entraîner. On va voir, oui, je pense que c'est ça. Tandis que moi, je vais faire de la recherche. Bon, ça va prendre un peu pour... Mais je pense qu'on peut tout de suite aller vers le 3D. La version 1 du moteur 3D, ça peut être... Il faut commencer parce que... Plus le jeu va avancer, plus les moteurs 3D vont être avancés, plus ils vont être coûteux. Puis plus on joue avec les moteurs 3D, plus vite on peut obtenir les graphiques en 3D. Donc si je veux avoir la version 2 bientôt, il faut que j'utilise la version 1. Alors Antonio s'entraîne fort. Et puis pour ce qui est de Jacques Villeneuve, je peux pas dire que c'est un jeu qui va beaucoup m'avoir aidé. Pas du tout. Je suis un brin déçu. Mais là, vu qu'Antonio est mieux entraîné, regarde Antonio, tu vas déjà me chercher un nouveau sujet. Wild West. Wild West, je peux pas passer à côté de ça. Et puis, moi je vous dirais que... Alors, Jacques Villeneuve est sorti du marché, il a quand même vendu un peu, mais oui, je suis en train de perdre de l'argent. Alors, Wild West est complété, moi je vais arrêter ici. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, donc on a monté, même si les deux derniers jeux qu'on a créés ont vraiment, vraiment pas été à la hauteur du premier qu'on a sorti. Néanmoins, on a 6 millions après 9 jeux, et puis je vous remercie d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une excellente journée.